Depuis plusieurs jours au Brésil, les hélicoptères de la défense publique survolent sans relâche la vallée de Javari, proche de la frontière péruvienne. C'est ici que le journaliste britannique Dom Phillips et l'anthropologue brésilien Bruno Pereira enquêtaient sur les trafics de drogue et les violences sur les peuples autochtones. Ils ont disparu dimanche dernier. Accident ou exécution, les autorités envisagent toutes les possibilités. Nous n'excluons aucune piste. Nous avons devant nous deux volets d'investigation. La recherche de personnes disparues d'un côté et la possible commission d'un crime de l'autre. À l'annonce de leur disparition, les autorités locales ont été pointées du doigt pour leur réaction trop lente. Un retard qu'elles justifient par la complexité du terrain. C'est une région très grande et très inhospitalière. C'est très compliqué lorsque deux personnes seules décident d'aller dans cette zone indigène sans aucune communication officielle avec les organes de sécurité. Depuis le début de l'enquête, 6 personnes ont été interrogées et un homme placé en détention. Considéré comme le principal suspect, le quadragénaire a été arrêté en possession illégale d'une arme à feu. Mais son lien avec les deux disparus doit encore être établi.